Bonjour, David Béguin, président cofondateur de l'ADBV, Association des bâtisseurs varois. Alors, qu'est-ce que c'est l'ADBV et pourquoi? Alors, l'ADBV, c'est avant tout un principe, mieux servir pour mieux bâtir. Et c'est en ce sens que nous œuvrons chaque jour. L'ADBV, comme son nom l'indique, est une association dans le bâtiment qui a pour but d'aider les particuliers, les professionnels ou les collectivités souhaitant entreprendre des travaux dans le neuf ou la rénovation. Alors, ce groupement que nous représentons peut vous accueillir physiquement ou par téléphone pour d'une part interpréter au mieux votre besoin et vous mettre en relation vers l'entreprise la plus adaptée à votre projet. Pour ce faire, nous avons sectorisé le Var en trois zones de chalandise pour une réactivité et une proximité des entreprises, également par activité et donc corps d'état pour pouvoir répondre à toutes les demandes. L'association des bâtisseurs varois vous mettra ensuite en relation avec deux véritables professionnels vérifiés, assurés et rassurants et surtout répondant à notre charte de qualité. Alors nous ne sommes pas des courtiers en travaux. Bien au contraire, nous ne fonctionnons pas avec une commission ou une rétro-commission. Non, non, non. Tous les frais liés au fonctionnement de l'Association des bâtisseurs varois sont entièrement supportés par les cotisations ou les dons des adhérents. Notre association, en partenariat avec l'Impact TV, vous présentera dès le mois d'avril une émission mensuelle conseil tournée vers le bâtiment, les astuces et les entreprises varoises. Notre slogan résume parfaitement bien notre état d'esprit de partage, de conseils et de bienveillance. Mieux servir pour mieux bâtir. N'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone, soit par adresse mail. Ce sera avec plaisir que nous répondrons à vos questions, besoins et vous conseillerons. Vérifié, assurant et rassuré. Non. Attends, si je fais ça, on va faire l'histoire de... Tous les frais liés au fonctionnement de l'association sont... ils sont chers, ils sont bien chers. Hein, Ha ha ha.